Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Eritor. Ok, cool. J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère que votre nouvelle semaine se déroule bien. Voilà. J'avais envie de faire cette vidéo-là. Parce que je suis à la fois très content et en même temps très fâché. Très fâché contre qui? Très fâché contre ces sorciers-là. Très fâché contre ces soi-disant fans de Didier Arafat qui ne font que fustiger ces pauvres petits-là. Voilà. Dieu merci. J'espère que ces petits-là vous ont convaincu. Ou bien ils vous ont confondu. Voilà. Il y a une autre chose aussi, hein, les amis. Je vois que vous me soutenez beaucoup. Mes abonnés sont grimpés bêtement. Mais vous ne partagez plus mes vidéos. Et ça me fait vraiment mal. Et ça me décourage un peu. Honnêtement, sans vous mentir. Je sais que vous êtes là, mais j'ai l'impression que vous avez la paresse de partager mes vidéos. Franchement, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Ayez toujours le courage et cet amour-là de partager ces youtubeurs qui véhiculent de bons messages. Voilà, j'essaie d'insulter aussi, hein. J'essaie d'énerver aussi, mais je ne fais pas ça parce que pour moi, c'est pas ça l'idéal. Voilà, quand tu veux l'évolution d'un mouvement, il faut te mettre dans un registre et c'est ce que je suis en train de faire en fait. Sinon, je suis très dégameur. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent très bien. Comme on dit, mon ventre n'est pas valise. C'est pourquoi ce dégamage, j'essaie de le rendre de manière polie dans mon discours, dans mes vidéos. C'est pourquoi je suis franc dans tout ce que je dis en fait. Donc aidez-moi aussi, hein? Aidez-moi à vous aider à toujours faire des vidéos, à vous mettre au courant de tout et à vous motiver à faire la promotion de notre musique ivoirienne. Partagez mes vidéos. Sinon, si c'est abonnement, là, vous vous abonnez, bâtard, même. Grave, même. Voilà. On a dépassé la barre des 35 000 abonnés. Tu sais pas Dieu, c'est qui? En un an. Une petite personne comme moi qui fait des vidéos. Je suis connu nulle part. Je suis même suivi que beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire ici. Hein? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Donc vraiment, merci pour votre soutien et puis partagez mes vidéos. Ça aussi, c'est important. Voilà, avant de tomber, si c'est soi-disant fan, il a donné deux petits messages à notre Didier Arafat et fait un petit clin d'œil à mon débordeur Likoufa. Didier Arafat, tu vois, quelque part, moi je me dis que tu écoutes trop tes fans négatifs. Il faut aussi, s'il y a une vérité à dire, c'est que ce n'est pas tous les fans de Didier Arafat qui ont cet esprit tordu là, qui ont cet esprit bloqué là. Ce n'est pas tous les fans de Didier Arafat. C'est une petite minorité qui passe le temps à insulter tous ceux qui sont en désaccord avec Didier Arafat. C'est d'eux-là que je parle. Moi, j'ai dit une fois dans une de mes vidéos que tu avais pour stratégie les clashs et ça t'a rehaussé, ça t'a envoyé loin. Et tu as remarqué que depuis un certain moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est pas la magie. Et regarde bien. Depuis qu'il y a des individus très mal intentionnés, très mal polis, très mal éduqués qui ont commencé à soi-disant faire des vidéos pour te défendre, franchement, aucune, on va dire, aucune cérémonie de plus se voit en train de te dessiner une chose, un titre encore. Ils ne se voient plus faire ça. Parce qu'à la limite, c'est salir leur image, comme ils sont en train de salir ton image. Voilà, ce sont ces vérités-là que les gens, quand je dis ça, les dérange, mais je vais toujours les dire, les amis. Franchement, on peut défendre un artiste avec beaucoup de politesse et avec beaucoup, beaucoup de modestie. Voilà, pas besoin de venir se montrer les fous, pas besoin de venir se montrer les dégameurs, pas besoin de venir insulter à tout bout de champ. Parce que celui-ci n'est pas truc. En union ou bien en bon rapport avec Tatis, donc c'est un sorcier, c'est un démon. Non. Donc, Didier Arafat, moi, ce que je vais te dire actuellement là, moi, il sait, parce que moi, quand je regarde ton talent, il sait qu'il est inépuisable. Voilà. Tu es né avec, ça y est dans ton corps. Tu n'es jamais fini et puis tu ne pourras pas finir. Tant que toi-même, tu n'as pas décidé d'arrêter la musique. Ça, je suis confiant de ça. Mais je voudrais que tu te comportes comme un boss. Tu sais comment un boss se comporte dans un game? Il parle plus tôt. Il produit ses artistes. S'il a un album à faire sortir, il fait sortir son album. Mais il rentre plus dans les bassins du genre. Je suis le Daichi Khan. Je suis le numéro 1 des temps. Je suis le champion des temps. Je suis le chef des temps. Tu n'as plus besoin de clamer ça. Ouais, moi, il a dit ça. Tu n'as même plus besoin de clamer ça. Parce que nous tous, on est unanimes que ce mouvement-là, tu es le boss. C'est parce qu'il y a des talentueux comme Debordeaux que nous aussi, on est bon. Tu es le boss, hein? Mais nous, notre préférence, c'est Debordeaux. Il y a d'autres qui disent leur préférence, c'est Moula. Leur préférence, c'est DJ Mix. Leur préférence, c'est Kedivara. Leur préférence, c'est Serge Benoît. On sait que nous tous, on sait que tu es le boss. Tu n'as plus besoin, plus jamais besoin de faire des vidéos n'importe comment pour dire des choses qui n'ont à la limite aucun sens. Ça ne va même pas t'arranger. On te parle de ton album qui sort le 28 et de ton concert avec ton frère Debordeaux. Ce 29, tu as venu te mettre dans les mouvements. Ça, c'est des conneries. Et regarde comment les petits t'ont rendu grand. Regarde comment les petits t'ont rendu grand. Parce que on les insulte tellement, on les critique tellement. Si c'était moi qui étais à la place, par orgueil aussi, il a dit bon, tout comme fait où, il a fait où, on dit qu'il s'est courant, ils vont dire c'est courant, mais ils ont fait quand même.
Malgré que les gens vont parler, ils ont fait quand même pour dire que hey, Dieu nous a fait la grâce d'entrer Moussa actuellement, mais c'est Mogol là qui est le baobab. On lui doit beaucoup, beaucoup de respect. Voilà. Donc c'est dans ce registre que tu dois te mettre maintenant. Tu dois créer un mythe. Tu es encore jeune, tu n'as pas 40 ans. Tu n'as pas 50 ans. Tu es encore dans la trentaine. Tu n'as pas encore 35 ans. Tu vois un peu? Tu dois créer le mythe. Tu dois te comporter en tant qu'un, comment on dit, une légende. C'est-à-dire, on doit venir prendre conseil avec toi. On doit venir t'écouter. On doit venir prendre ton avis sur certains mouvements. Mais tant que tu vas vouloir venir faire des vidéos pour montrer aux gens que tu es le patron, mais tu es le chef, ça ne va jamais finir. Et puis tu auras toujours des gens pour venir te descendre ou bien pour venir t'insulter, pour venir raconter du n'importe quoi sur toi. Tu dois arrêter ça. Tu ne dois plus être dans ce registre-là. Voilà, parce que quand j'ai vu les postes d'Arène Chiné, et les appareils, il était trop content. Il dit, ah Seigneur, franchement, quand tu mènes un bon combat là, tu auras toujours les bons effets positifs. Sérieusement, tu auras toujours les bons effets. Honnêtement même. Quand moi, il n'y a pas de non, soutenons le mouvement des petits, soutenons le concert, payez vos tickets. On m'insulte, on m'insulte, on m'insulte. Mais les petits là-même sont venus confirmer tout ce que j'ai entendu depuis là. Ils sont venus confirmer ça, et les postes. C'est moi qui vous ai dit ça, vous vous rappelez, il a dit, ah. Les petits soutenaient le mouvement de votre vieux Moro. Son caractère, nous, on connaissait comme ça, il est. Mais c'est votre patron. Donc soutenez-le. C'est dans ce délan, les petits aussi ont fait un poste pour dire que, effectivement, Arafat est ce qu'il est. Mais c'est grâce à lui que le mouvement pouvait décaler aussi là. On va dire vie. Et puis jusqu'à nous, on est venu mousser les dents. Et puis les gens voulaient nous comparer ensemble. Franchement, félicitations à toi, Arel Chéné. Félicitations à toi, Safarel. Restez dans ce délan de l'humilité là. Vous ne pourrez jamais descendre. Vous allez toujours mousser. Vous allez tuer pour tuer. Claire, claire. Zo même. En tout cas, moi, je suis très fier de vous. Et puis, un petit truc. Tiens, mon artiste de bord, toi, je ne te comprends pas 2 jours là. Tu as des postes bizarres, bizarres. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu as fini un buzz. Tu as dépassé ton ami, j'ai dit, arrête pas derrière ça. On ne sait pas si c'est un buzz. On ne sait pas si ton cœur est chaud. On ne sait pas. Faut nous situer dès maintenant. Là, au moins, c'est clair. Puis, on sait comment gérer le moment. On sait comment rattraper le truc. Voilà. Sinon, tes postes, là, ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis, c'est pas toi, allez, ça. Voilà. Maintenant, les détracteurs, les sorciers de la musique ivoirienne. Ce message est pour vous. Vous savez, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, hein? Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous n'êtes pas obligé aussi de réagir, c'est-à-dire de commenter, de parler. Moi, voilà ma main sur YouTube là. Il y a des gens, on me parle d'eux. J'ai jamais fait un clic sur leur vidéo, parce que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, je répète toujours encore pour vous dire, moi, je suis fan de Bordeaux Likoufa, et puis ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais, 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 jamais. Mais ça ne veut pas dire, comme je suis fan de Debordeaux Likoufa, c'est de Debordeaux Likoufa que moi je vais parler. Désolé. Ça là, vous avez parlé jusqu'à vous êtes fatigué. Et puis moi, mes abonnés augmentent, mes vues augmentent. En tout cas, ça va quoi. Donc arrêtez. Arrêtez de vous fatiguer. Vous êtes en train d'insulter matin, midi, soir, depuis que le Mola a programmé le conseil des petits là. Vous êtes en train de les insulter, 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 insulter. Les petits ne se sont pas comparés à quelqu'un, c'est les gens qui les comparent. Vous les insultez. Voilà aujourd'hui, ils soutiennent l'album. Ils invitent leurs fans à acheter massivement l'album de Didier Arafat ce 28 décembre. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez dire que c'est de l'hypocrisie? La phrase fétiche, changez vos mentalités. Parce qu'il y a l'impression qu'il y a ça dedans. Dans votre tête, là, il y a l'impression que ça ne va pas. Arrêtez un peu. Donc vous là, il n'y a même pas un peu d'amour dans votre cœur. Tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter, insulter, insulter, dénigrer, critiquer. C'est bon où vous insultez. Moi, j'ai fait des vidéos, je suis venu à la limite d'un message, on dit parfait même. Où on peut dire, merci franchement, tu nous as épatés aujourd'hui. Mais les gens, tellement qu'ils sont adeptes, ils sont fils du diable. Ils adorent la division, ils adorent frustrer les gens ou bien injurer les gens. Ils vont venir mettre forcément des faux commentaires. Voilà ça. Arrête Chiné, ça parle bien. Soutenez le mouvement. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites passer pour les super fans, les vrais fans. Vous êtes des plaisantins, vous tous. Vous vous connaissez. Il dit même plus votre nom. Vous êtes des plaisantins, vous tous. Vous qui êtes en commentaire ou vous qui faites des vidéos bêtes, bêtes. Vous tous, vous êtes des plaisantins. C'est Rito qui a dit ça. Le bien va toujours avoir le dessus sur le mal. C'est pour ça que depuis longtemps, vous essayez de me boycotter. Et puis, je suis votre patron. Vous tous. C'est Dieu qui fait ça. Normalement, dans ce mouvement-là, vous savez comment ça doit être. Quand on dit arrêt chiné, c'en est un mouvement. Nous tous, on en taille lui. Ça, c'est un conseil de la mère Esther. Voilà, il veut vous partager ça.
Quand Didier est à la face d'un mouvement, nous tous, on est en taille, lui. Si on fait comme ça, nous tous, là, il n'y a pas un mouvement en Afrique ici, là, où on ne sera pas premier. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des mentalités très retardées, comme vous, là, qui mettez tous les gens en conflit, là. C'est pour ça que notre mouvement stagne. Si on ne coupe pas, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, donc changez un peu votre esprit, là. Voilà, changez ça. C'était la vidéo du jour. En tout cas, félicitations à Ralph Cheney. Félicitations à Safara Lobian. Que Dieu vous bénisse votre carrière et que Dieu bénisse votre concert. 29 décembre, 28 décembre, deux dates à retenir. Soyez prêts.